la terre du jardin. Excellent choix. Oh. Ah! Du marc de café pour fertiliser la terre. Ouh. Ah. Tu ajoutes un peu d'eau avant de mélanger le tout. Tu fais quelques trous pour qu'il puisse respirer. Et voilà, leur maison est terminée. Organise une nouvelle course au bord du lac. Emmène ton champion. Ça m'étonnerait qu'il batte Monsieur Univers. Tout le monde se passionnait pour cette compétition. Creuse, 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 creuse. Après avoir battu tous ses concurrents, George devait affronter Madame Quint en finale. Pour creuser la terre dans mon jardin, il n'y a pas mieux que Monsieur Univers. Waouh, qu'est-ce qu'il est grand, hein? Je ne nourris mes vers qu'avec des légumes. En contrepartie, ils enrichissent la terre, ce qui me permet d'avoir de plus beaux légumes. Étant donné que vos cris d'encouragement ont tendance à faire peur aux poissons du lac, je vais aller pêcher dans la rivière. N'oublie pas ton casse-croûte, chérie. Merci. Si vous êtes prêts, alors en route pour la super finale. On commence quand tu veux, George. Alors, mon mari est parti avec tes vers au lieu de son casse-croûte. Je commence à avoir faim. Voyons ce que ma petite femme m'a préparé cette fois. Des vers de terre? Oh, elle a pensé à me donner des appâts de premier choix. Si ce n'est pas de l'amour, ça, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y avait pas une minute à perdre. Qu'est-ce que c'était? George, allez, monte. Oh, si je m'attendais à te voir ici, ce ne serait pas ma boîte à repas par hasard? Mais alors, celle-ci doit être celle de tes vers de terre. Je dois dire que tu tombes à pic, mon petit. Et le vainqueur de la grande finale est... Eh bien oui, le vers de George. Après cette belle victoire, George pensa que ses vers de terre méritaient bien de retourner dans le jardin pour aider les rosiers à pousser. Tu sais, George, il n'y a pas que la course de vers de terre pour s'amuser. Tu trouveras un nouveau jeu.